Bonjour. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, histoire très très contemporaine, parce qu'il va être question de l'actuelle guerre qui secoue l'Ukraine. On peut être tenté d'avoir de ce conflit une vision très binaire. Les gentils ukrainiens contre les méchants russes. D'où l'intérêt d'apporter de l'annonce, du contexte, de revenir un peu sur les causes anciennes et profondes qui ont pu amener à ce conflit. Pour ça, on va revenir sur un contenu qui donne une interprétation particulièrement originale et intéressante des causes de la guerre qui secoue actuellement l'Ukraine. Juste au début de l'offensive russe, le journaliste André Berkov recevait sur Sud Radio Romain Bessonnet, secrétaire général du cercle Aristote et présenté comme spécialiste de la Russie. Au début, on nous présente la pensée de Poutine par rapport à l'Ukraine. dès 1991, en fait, alors que l'Union soviétique est en train de s'effondrer, Vladimir Poutine dit déjà à l'époque que les frontières entre la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine sont des frontières artificielles euh, qui sont le résultat, en fait, de la politique folle des bolcheviks. Euh, voilà. c'est texto ce qu'il a dit il y a trois jours. – Politique folle des bolcheviques oui. euh, qui avaient eux-mêmes… – La politique morse, ouais. des nationalités, en fait, euh, ouais. comment dire, pensée par Lénine, mm -hmm. euh, donc selon laquelle l'Empire des Tsars était une prison des peuples, et, et pour libérer ces peuples, et eh bien, on va leur donner à chacun euh, euh, donc une république. – C'est ça. – Avec voilà, des attributs d'État, un parlement, euh, etc. Euh, – Donc, il y a eu arbitrairement des républiques qui ont été créées, là. etc. – Alors, cette partie est surtout… La dernière phrase d'André Berkov m'a vraiment donné l'impression que lui et Bessonnet semblaient justifier cette pensée de Poutine selon laquelle les frontières entre la Russie et l'Ukraine sont artificielles et donc que l'Ukraine en tant que nation n'existe pas. Ce qui historiquement est archi faux. Dans l'Empire russe d'avant 1917, on avait pas mal de territoires avec des vraies spécificités culturelles, linguistiques et surtout un vrai début de conscience nationale. Par exemple, la Finlande devenue indépendante en 1917 et qui depuis l'est restée. D'autres territoires devenus indépendants en 1917 ont été réannexés à l'Union soviétique avant de devenir complètement indépendants en 1991. Par exemple, entre autres, Estonie, Lettonie, Lituanie, Arménie, Géorgie et Ukraine. Donc non, ça n'est pas une invention de Lénine et des bolcheviques. Même si Poutine croit le contraire, l'Ukraine forme bien une nation à part. Un premier gouvernement national qui demandait l'autonomie, voire l'indépendance de l'Ukraine, s'était formé en mars 1917, juste après la suite du tsarisme, avant l'arrivée au pouvoir des bolcheviks. Ensuite, l'Ukraine a été reconquise par les bolcheviks en 1919, réannexée à ce qui sera la future URSS. En 1930, la collectivisation forcée et catastrophique de l'agriculture par Staline a entraîné une série de révoltes paysannes qui ont été particulièrement nombreuses et importantes en Ukraine. Des slogans nationalistes ont même été exprimés, ce qui a fait peur à Staline et l'a amené à décider d'une reprise en main de l'Ukraine. Ce qui s'est traduit concrètement par une famine, organisée et planifiée par les autorités soviétiques, qui s'est traduite par des millions de morts. Famine connue en Ukraine sous le nom de Holodomor. Mais bon, ça j'y reviendrai. On va revenir à l'interview de Romain Bessonnet. Ensuite, on nous parle des bombardements de l'OTAN contre la Serbie qui auraient été l'origine d'un gros ressentiment russe contre l'Occident. Alors... Pour, pour mettre un peu le contexte, parce qu'on ne peut pas comprendre une situation selon ce qu'on vit aujourd'hui si on ne met pas dans le contexte. Et le contexte, c'est avant les accords de Minsk dont on va parler, Romain Bessonnet, il y a eu ce qui s'est passé en 99 avec la Yougoslavie, aujourd'hui l'ex-Yougoslavie. Et vous me dites tout même, avant qu'on commence cette émission, mm -hmm. que ça a beaucoup marqué les Russes. Ah, pour moi, c'est le péché originel de l'Occident, c'est-à-dire les, les bombardements contre la Yougoslavie. Alors, sans prévenir les Russes, bien sûr, sans mandat du Conseil de Sécurité de l'ONU euh, contre un pays oui, Il y a eu aucun ouvrin. mandat. Il faut le savoir. L'OTAN a attaqué. L'OTAN oui. qui a attaqué, c'est ça. L'OTAN a attaqué sans mandat, sans avec sa seule bonne conscience occidentale, euh, a redécoupé euh, les frontières donc de, de la Serbie et en plus, euh, euh, suprême injure pour les Russes, on, on a bombardé un, un pays orthodoxe lors de la PAC orthodoxe. Avec des photos des soldats américains en écrivant sur leur bombe Joyeuse Pâques. Ouais. Donc, euh, ce, qui été, ce qui a été pris comme un, comme, une, comme un affront. Et le fait que la Russie ne puisse pas intervenir pour soutenir la Yougoslavie, parce que la Russie était en pleine crise à l'époque, ouais. a été vécu par les Russes comme une humiliation. Ah oui, véritablement, voilà. fortement. Mais véritable, ouais. mais fortement, enfin ouais, c'était... Ouais. Euh... Quand Bessonnet parle de la Yougoslavie, à l'époque je précise que c'était le nom que se donnait la Serbie associée au Monténégro. Il faut préciser que l'OTAN intervenait à ce moment-là pour mettre un terme définitif à la guerre en ex-Yougoslavie. Après les massacres de Bosnie quelques années avant, arrêtés par des bombardements de l'OTAN, on craignait d'autres massacres, cette fois dans le Kosovo. La Bosnie ou la Croatie, pays voisins de la Serbie, n'ont eux, à ma connaissance, pas protesté contre ces bombardements peut-être parce qu'il les voyait comme la fin définitive du danger d'attaque militaire serbe. Admettons, comme dit Bessonnet, que les Russes, ou en tout cas leur majorité, aient vécu ça comme une humiliation. Mais est-ce qu'ils avaient raison pour autant Parce que la présumée proximité entre la Russie et la Serbie du fait de la religion orthodoxe, elle paraît un peu artificielle, inventée même. Déjà, Bessonnet parle toujours du point de vue unilatéral russe. Il n'est jamais question des Serbes qui se seraient sentis proches de leur grand-père Russe orthodoxe, peut-être parce que ce n'était tout simplement pas le cas. D'ailleurs, en 2009, dix ans après le qu'elle a subi, la Serbie a officiellement demandé son adhésion à l'Union européenne, de quoi nuancer pas mal l'image d'un pays qui se sentirait non occidental. La Bulgarie, la Roumanie, la Grèce, la Géorgie sont aussi des états à religion majoritairement orthodoxe. Et pourtant, à ma connaissance, la Russie ne s'en revendique pas comme un grand frère protecteur de ses États. C'est vrai qu'avant 1914, la Russie avait soutenu la Serbie alors en rivalité avec l'Autriche-Hongrie, ce qui a été une des causes du déclenchement de la Première Guerre mondiale à cause de l'enchaînement des alliances. La raison de ce soutien russe à la Serbie pouvait être, oui, la proximité culturelle ou religieuse, mais ça pouvait être aussi probablement un prétexte pour des intérêts géopolitiques, côté russe, pour pouvoir acquérir plus d'influence, plus de puissance en Europe centrale et dans les Balkans. D'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, la Russie de l'URSS, la Serbie a été intégrée dans la Yougoslavie et ces deux états ont mené leur vie chacun de leur côté sans relation de proximité particulière. Après 1945, la Yougoslavie de Tito a même rompu avec l'URSS. On est donc euh, loin d'une tradition forte et permanente de proximité, ça me paraît être plutôt une tradition Inventé ou en tout cas largement exagéré. Ensuite, Bessonnet nous parle des accords de Minsk, dont le non-respect côté ukrainien aurait amené au conflit actuel. Et euh, donc, euh, la partie cessez-le-feu. Et il y avait aussi l'échange des prisonniers. La partie cessez-le-feu, échange des prisonniers, a été euh, mise en œuvre qu'à un cas. Mais à chaque fois qu'on commençait à parler de la, à chaque fois que les insurgés voulaient parler de la partie politique de l'accord, c'est-à-dire le statut d'autonomie, oui. la modification constitutionnelle, parce que le statut d'autonomie du Donbass et des deux zones était compris dans les accords, était Mitz, compris dans l'accord, bien sûr. De façon très claire et très claire, en fait, ouais. sur 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 la base d'une loi ukrainienne qui avait été prise. Euh, au printemps 2014, euh, pour arrêter en fait l'insurrection qui était en cours. Et dedans, par exemple, vous aviez le fait qu'il y ait une police autonome, qu'il y ait euh, que le Donbass ait sa propre politique éducative, culturelle, linguistique. D'accord. Et, et ça n'a pas été appliqué, ça. Et cette loi n'a jamais été appliquée. Les accords de Minsk prévoyaient son application, prévoyaient des élections et mmh. prévoyaient donc euh, et prévoyaient que, que ce statut soit mis de façon permanente dans la constitution ukrainienne. Et dès qu'on commençait à à Minsk, le groupe de contact, comme on l'appelait, commençait à discuter de cette partie politique, bizarrement, il y avait un bombardement ukrainien sur une ville dans le Donbass, les insurgés répliquaient et les Ukrainiens se retiraient de la table des, des négociations, des négociations ouais. en disant que c est, c est le cessez-le-feu était violé. Hum. C'était systématique. Ouais. Et mmh. c'est allé jusqu'au point où... Euh, où euh, et ensuite, on a eu carrément, quand le président Zelensky est arrivé au pouvoir, lui, il a dit, je ne les appliquerai pas. Mmh. Ah oui, d'accord. Et euh, ces ministres l'ont dit, euh, ils ont dit, il n'y aura jamais de modification de la Constitution, il n'y aura jamais de statut d'autonomie, et il n'y aura jamais de statut linguistique spécial, on y appliquera la loi linguistique ukrainienne qui depuis 2017 est une loi particulièrement draconienne étant donné qu'elle impose par exemple à tous les magasins de parler ukrainien euh, ce qui alors dans qu ils l... parlaient tous russes enfin alors... alors que vous avez des régions russophones en Ukraine et dans le Donbass, 95 de la population a, l... a le russe comme première langue maternelle mmh, donc vous pensez bien que euh, à ce régime-là euh, ça ne facilitait pas la façon euh, pour négocier dire non alors, juste un mot, là aussi, c'est est, est flou. Est-ce que les scores de Minsk, qu'est-ce qu'ils prévoyaient par rapport à l'Ukraine, son entrée éventuelle dans l'OTAN ou pas Est-ce que ça a été discuté, ça, ou pas du tout Non, ça n'a pas été discuté. D'ailleurs, euh, les Russes ont voulu le discuter et les Européens ont dit, ça, on n'en discutera pas. Mm -hmm. euh, pareil, le statut de la Crimée, les Européens voulaient en discuter les Russes ont dit, on met ça hors de la négociation. Oui, chacun euh, préservait son. Chacun avait ses, ses lignes, je dirais, ouais. ses lignes rouges. Euh, ce qui est important, c'est que euh, dans ce dans ce processus de Minsk. Donc, les Européens disent systématiquement, et Emmanuel Macron a encore dit il y a trois jours que l'accord de Minsk prévoyait euh, donc, le maintien de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et le maintien de ses régions dans l'Ukraine, mais ce maintien il était avec des conditions. Ouais. et quand et, euh, Prenons par exemple le point 8 de l'accord, hein, je crois, euh, qui prévoyait le rétablissement des relations économiques, sociales et financières entre l'Ukraine et les régions insurgées. Eh bien, euh, au, lorsque les accords de Minsk sont pris, il y a encore des relations économiques entre les deux entre les deux ensembles. En partie, oui. Et en 2017, en, en mars 2017, l'Ukraine prend unilatéralement un décret de blocus économique et financier des régions insurgées. Donc le Donbass, enfin. Voilà. Et, euh, et, les, et euh, les gouvernements français et allemands, garant de l'accord, mmh. ne disent rien. D'ailleurs pas que ouais. Euh, les Russes disent « Regardez, c'est une violation claire de l'accord euh, ». Jean-Marc Ayrault, à l'époque ministre des Affaires étrangères français, dit « Oui, oui, oui. ». Et puis, bah ben rien, on fait pas de pression sur Kiev, euh, on, ça passe crème, comme on dit. Mm -hmm. et, ça, et ça, en fait, ça a ça fait dire aux Russes que les Occidentaux, en fait, ne sont pas des garants fiables pour cet accord-là et qu'on et, et qu n'a pas honoré notre signature. Alors ça, je trouve que c'est le passage le plus intéressant. C'est le non-respect d'accord de Minsk qui aurait amené à la guerre actuelle. Donc c'est l'Ukraine qui serait responsable du conflit actuel. Alors, je ne suis pas expert des accords de Minsk, donc on va accorder à Bessonnet le bénéfice du doute, et considérer qu'il a raison. Seulement, il faut préciser que tout ça intervient d'un contexte plus général, de tensions depuis un bout de temps entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi entre la Russie et d'autres pays voisins. En 2004, par exemple, avait éclaté en Ukraine ce qu'on appelle la Révolution orange des manifestations qui ont abouti au départ du pouvoir d'époque alors pro-russe et des nouvelles élections qui ont amené à l'arrivée du président Yushchenko, un pro-occidental qui a été quelques temps après victime d'une tentative d'empoisonnement à la dioxine. Tentative d'empoisonnement dont les raisons n'ont jamais été éclaircies. Mais côté ukrainien, il paraît plausible de soupçonner soit les opposants pro-russes à Yushchenko, soit le pouvoir russe lui-même. En 2007, il y a eu des cyberattaques russes contre l'Estonie. En 2008, une attaque militaire russe contre la Géorgie. Bref, depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, on a pas mal de tensions, d'affrontements même entre la Russie et certains de ses pays voisins. Ces derniers voyant Poutine comme quelqu'un qui est toujours d'une mentalité de domination, de rapport de force, ce qui ne peut qu'encourager le gouvernement de ces pays à demander à adhérer, soit à l'OTAN, soit à l'Union européenne. Ce qui ne peut qu'encourager Poutine à croire qu'il est encerclé par l'OTAN, d'où nouvelles tensions, etc. Fin 2013, début 2014, il y a eu en Ukraine ce qu'on appelle la révolution de Maïdan, un peu la répétition, disons après, de la révolution orange. Des manifestations qui ont abouti au départ du pouvoir pro-russe et des nouvelles élections qui ont amené au pouvoir des dirigeants plutôt pro-occidentaux. Et c'est juste après que les mouvements séparatistes sont apparus dans l'est de l'Ukraine. Ce qui a pu être vu côté ukrainien comme quelque chose fomenté par la Russie, prétexte à déstabiliser l'Ukraine voire à l'envahir. Ça aurait été intéressant, je trouve, que Bessonnet explique pourquoi le président Zelensky a décidé de ne plus appliquer les accords de Minsk. Mais il ne le fait pas. Il faut ajouter qu'en 2019, il y a eu en Ukraine des manifestations contre Zelensky qui lui reprochaient d'être trop conciliant, de vouloir accorder trop d'autonomie aux territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine. Ce qui est assez loin du portrait qu'Andrès Bessonnet de quelqu'un qui aurait voulu balader Poutine. Présenter Poutine comme quelqu'un qui s'est fait balader, donc sous-entendre qu'il était honnête, pacifiste, c'est un point de vue qui se défend, mais on peut aussi bien défendre que Poutine a été un manipulateur. En même temps que cette sécession des territoires russophones de l'Est de l'Ukraine, il y a eu aussi l'annexion russe de la Crimée. Don Messonnet parle juste après. Mais alors, quand même, il nous la baille un peu belle, Poutine, quand même, euh, Romain Besson, parce que lui, il ne s'est pas gêné pour prendre la Crimée, quand même. Hein ben, voilà. euh, oui, euh, enfin. Pour conquérir la Crimée, il dit, ben, c'est chez nous. Alors, je veux bien que la population n'était pas contre, mais enfin, quand même. Euh, la, la population était même franchement pour. Enfin, ouais. toute personne qui a, qui, a, qui a voyagé en Crimée à cette époque-là vous dira que, que, que vous n'étiez pas en Ukraine depuis, depuis très très longtemps. Mmh. Euh, la population, elle était elle était russe, elle se sentait russe. Donc, euh, ensuite, oui, bien sûr qu'il euh, a, euh, a utilisé une opportunité à l'époque. Euh, euh, mais euh, je pourrais vous répondre que si la Crimée était vraiment ukrainienne, alors euh, pourquoi euh, avoir retiré toutes les forces armées sans qu'il y ait un coup de feu de tiré ouais. si, le, si, le, si, le oui. si, si le gouvernement ukrainien croyait vraiment que c'était un territoire vraiment russe, dans ces cas-là... Euh, oui. vraiment oui. ukrainien, pardon, oui. là j'ai fait, fait un lapsus, euh, croyait que c'était un territoire vraiment ukrainien, dans ces cas-là, il serait battu, il n'aurait oui. jamais retiré toutes ses forces armées. D'ailleurs il faut savoir que euh, c'est encore mieux, euh, 75% des policiers et des militaires euh, euh, sous uniforme ukrainien sont restés euh, dans, les forces, dans les forces militaires dans les forces et policières en Crimée. Les policières oui. russes en Crimée. Donc oui. c'est pour vous dire euh, euh, oui. à quel point l'Ukraine était bien implantée et tenait vraiment à ce territoire. Là, ce que dit Bissonnet est très pertinent. Effectivement, la majorité de la population de la Crimée, l'immense majorité, se sentait Russes et a approuvé leur rattachement à l'État russe parce que historiquement, culturellement, la Crimée n'a jamais fait partie de l'Ukraine. En fait, ça a été rattaché à l'Ukraine de façon administrative dans le courant des années 50 en 54, je crois, de façon arbitraire. Après, si le pouvoir ukrainien n'a pas tiré de coup de feu, c'est peut-être parce qu'il voulait éviter une confrontation qui aurait été sanglante. Peut-on dire qu'à ce moment-là, le pouvoir ukrainien a été conciliant avec la Russie Comme la sécession des territoires russophones de l'Est, ça a pu être vu comme quelque chose fomenté par Poutine, prétexte pour déstabiliser l'Ukraine. Donc, les accords de Minsk signés peu de temps après étaient plutôt mal partis. Ensuite, Bessonnet et Berkov nous parlent de l'invasion de l'Ukraine actuellement en cours. Euh, ça pourrait aller, enfin, ça ira jusqu'à un changement de régime à Kiev. Là, pour le coup, ah oui, c'est euh, ah ouais. un. Euh, euh, bon. L'objectif est est assez clairement énoncé. Ensuite, euh, Donc on change de régime, c'est oui, ça va aller, il va continuer jusqu'au changement de régime. Oui, à votre avis, Oui. Pour moi, c'est ben, c'est à dire qu'il joue avec les règles de l'Occident, c'est à dire nous on va bien dans d'autres pays changer les régimes, mmh. mettre en place ce qu'on appelle le, la démocratie et les droits de l'homme, mmh. euh, comme par exemple en Afghanistan où ça a été un succès retentissant. Et remarqué. Voyez. Oui. et bien, euh, Poutine dit ben puisqu'on joue avec ces règles-là, moi aussi je vais jouer, je vais mmh. jouer avec ces règles-là. Vous ne pouvez pas dire, il ben, y a euh, une règle pour les démocraties occidentales mmh. et puis une autre règle euh, pour les autres. Pour les démocratures, enfin, ce voilà. qu'on peut appeler, oui. Euh, mmh. Dans le droit international, il n'y a, a qu'une catégorie, ce sont les États. Point. Mmh. Euh, État démocratique, ça n'existe pas dans, la, dans le droit international. Là, Bessonnet me donne l'impression de justifier la volonté de Poutine de renverser le pouvoir ukrainien. Un pouvoir qui a quand même été élu, donc qui a quand même un minimum de légitimité. Alors que quelques minutes avant, Bessonnet justifiait l'annexion de la Crimée par la Russie au nom de la légitimité populaire. Ensuite, il justifie l'invasion russe sous le prétexte, je cite, que Poutine joue avec les règles de l'Occident. Alors, je vois pas trop en quoi envahir un État, en chasser le gouvernement, annexer cet État, c'est jouer avec les règles de l'Occident. Parce que c'est quelque chose qui a été mené à... ailleurs qu'en Europe, ailleurs qu'en Occident. En 1910, quand le Japon annexe la Corée après l'avoir envahi quelques années avant, est-ce qu'il joue avec les règles d'Occident En 1945, quand l'Union soviétique annexe les îles Kunachili sur le Japon, la Moldavie roumaine, l'Est de la Pologne, la Prusse orientale allemande, est-ce que l'URSS a joué avec les règles d'Occident Comparer, comme le font Bessonnet et Berkov, l'invasion actuelle de l'Ukraine avec la situation militaire en Afghanistan depuis 20 ans, ça ne paraît pas le plus judicieux. Je trouve plus juste de comparer l'invasion actuelle de l'Ukraine avec l'invasion de l'Afghanistan. Mais l'invasion, années 80, menée par l'Union soviétique. Invasion d'un pays pour les intérêts quasi exclusifs de la puissance attaquante, rejetée dès le début par l'immense majorité de la population. Il y a une phrase de Bessonnet que je trouve très intéressante. Euh, dans le droit international, il n'y a, a qu'une catégorie, ce sont les États. Point. C'est ça, point. L'Ukraine est un État, donc en l'envahissant, Poutine viole le droit international. Point. Ensuite, Bessonnet nous dit ça. Poutine aussi. Contrairement à ce qu'on pense, il est sensible à son opinion publique. Et l'opinion publique russe, quand elle voit les gens, euh, euh, les populations russes du Donbass se faire bombarder depuis huit ans, euh, elle non. dit à son président Mais qu'est-ce que vous faites euh, pour, pour les ouais. protéger L'opinion russe, à mon avis, Poutine est surtout sensible à la contrôler. D'où le contrôle des médias, l'histoire officielle du pays bien orientée qui est véhiculée par les modèles scolaires. Le départ à l'étranger d'opposants comme Kasparov qui craignait pour la sécurité, les soupçons d'assassinat sur d'autres opposants comme Alexei Navalny, et puis la répression des manifestations. Pour moi, sous le prétexte d'apporter une vision nuancée des choses, Bessonnet amène au contraire une vision manichéenne, fausse, qui est pleine d'oubli et de contre-vérité. Bien sûr, c'est mon point de vue. Faites-moi savoir ce que vous, vous en pensez dans la partie commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Bien sûr, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao